Eh bien, bonsoir à tous ces amis, Spartapazin, Spartasparisienne, Spartaire, Brestoise, Spartrice, Brestoise. J'espère que vous allez bien, moi j'espère. Donc, avant de parler de ça, on met le j'aime, on commente et on est tranquille. 27e journée de Ligue 1, Paris-Brest. Ah là là, le PSG va se déplacer à l'extérieur. On met le j'aime, on commente, on est tranquille. Hein. Sur le foot, on n'est pas tranquille. Sur le foot, la haine, la déception, la rage, la colère. Et les amis, ça me touche, les nations, ça fait triste. Là, je suis là, on va me dire, ouais, on va jouer un titre. Mais les amis, je suis déçu de l'élimination. Cette élimination, elle m'a cassé les couilles. On est éliminé, ça m'énerve. Moi, ça me fait chier de tous les ans, mois de mars, bye bye, au revoir, de s'arrêter ça. Moi, ça me fait chier ça. Au moins, si on n'était pas éliminé de la Coupe de France, au moins, c'est bien. Les amis, si on s'est pas fait éliminer contre les rats, au moins notre saison là, ça pouvait être optimiste de gagner au moins 3 titres minimum. Au moins, si on gagne 3 titres minimum, la saison elle n'est pas ratée. On va se dire la vérité, les amis. Hein. Si on gagne au moins 3 titres, la saison elle n'est pas ratée. Maintenant, on va parler qu'est-ce qu'on doit améliorer. Bah, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qui s'est passé mercredi? Défensivement, milieu, je parle de Verratti. Faire attention aux passes. Moi, je signale Monsieur Marco Verratti qui fait une passe de débutant. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain hier, moi je vous dis. Hein. Avant-hier, mercredi, voilà. Le jeu va falloir améliorer en termes de contre-attaque, en termes de passe, en termes de rapidité. Voilà. On a le ballon, paf, on garde le ballon, on fait tourner, on fait tourner. Ensuite, bah voilà, on se met en compte. Pour moi, c'est ça qu'on doit faire. Juste ça. Mettre l'intensité, être prêt. Dès qu'il y a une perte de balle, fuite, paf, on part en intensité. On part en mode PSG, je suis désolé. Je vous dis, on part en mode vitesse, en mode sport, vitesse sport, comme une voiture. Rapidité, comme ça, les amis. Hein. Et paf, on en contre. Pour moi, c'est ça demain. Demain, pour moi, va falloir qu'ils réagissent. Les amis, c'est vrai. Hein. Pour moi, va falloir qu'on réagisse déjà. Déjà demain, la réaction. Mais les amis, même s'ils réagissent quand même. Mais les amis, moi je vais vous dire quelque chose. S'ils réagissent, c'est bien. Vous êtes d'accord? S'ils réagissent, c'est bien. Mais l'élimination, elle va rester encore. L'élimination, elle va rester. Hein. Les amis, l'élimination, elle va rester encore dans notre tête encore. L'élimination, elle va rester. Tous les ans, on s'est arrêté. Là, Paris n'a même pas regardé les matchs, des grands matchs comme celui du Real, Liverpool. Vous avez vu celui-là, 5-2, remontada. Mais les amis, on va passer à quelque chose, on va parler quelque chose d'autre. Voilà, je vous ai dit qu'est-ce qu'on doit améliorer, pas bah, on doit améliorer tout ça. Maintenant, on va parler sur la composition, on sait c'est tout ce qui est au goal. On va jouer en 4-3-3, en 4-3-1-2, je pense, je vais à Donnarumma, Pembele, Danilo, Ramos, Nuno, Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz. Pour terminer, Soler et Mbappé et Messi. Pour moi, je pense qu'on va jouer comme ça. Ou on met Messi en 10 et Mbappé et Kitike. Je pense qu'on va jouer comme ça, les amis. Hein. On n'a pas le choix. Les amis, moi, je vous dis, on va jouer comme ça. On a trop d'absents. On va jouer comme ça, je pense. Hein. Moi, je vous dis, on va jouer comme je vous ai dit. Voilà, maintenant. Maintenant, c'est difficile de digérer cette déception, élimination. J'ai la désillusion. Comme tous les supporters parisiens, on a tous la désillusion encore. Remotiver, mais va falloir vraiment se réveiller. Hein. Va falloir vraiment se réveiller dès demain. Dès demain, là, va falloir se réveiller, les amis. Là, les amis, va falloir se réveiller. Les amis, il va falloir se réveiller dès demain. C'est pas une question pas demain, tout est fini. Non, c'est jusqu'à la fin de saison. Pendant 12 matchs, faut se réveiller. Voilà. Pour moi, c'est ça qu'on doit faire. Maintenant, on va parler un peu de Christophe Galtier. Entre guillemets. Et quand on s'est cassé les couilles avec Campos et tout, qui se permettent comme ils sont à Lille. Campos qui nous dit, ouais, je travaille. Mais arrête de nous prendre pour des cons. Tu vas rester l'année prochaine, mais là déjà on n'est pas sûr s'ils vont rester. S'ils se loupent là, pour moi, le PSG, on a un club qui se fait humilier. Moi, je vous dis, hein,
Moi, je vous dis, le PSG, ils réfléchissent pas. C'est sur les contenus, le jeu et tout. Voilà, tu dis, ouais, c'est pas une question de victoire, c'est une question aussi de victoire, mais de jeu. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça qu'on doit faire, les amis. Non, mais c'est vrai, les amis, pour moi, on doit faire comme ça. Pour moi, le PSG doit être comme ça. En termes de jeu, en termes de jeu, bah, va. En termes de jeu, Galtier, je parle de Galtier. Galtier, les changements, ça pue la merde, mercredi, que t'as fait. Tu fais entrer des joueurs qui sont hors poste. Je suis désolé. Pour moi, par rapport au match de mercredi, tu aurais dû changer un système 4-3-3, comme je l'ai dit, les amis. Moi, je vous ai dit, Galtier aurait dû changer un système. T'étais en 3-5-2, mon gars. Eh, frérot, t'étais en 3-5-2. Tu dis ouais, tu dis à Bichouabou, le Titi qui va rentrer. Tu dis ouais. Tu dis ouais, ça. Tu dis dans ta tête, ouais, ça va se compliquer tout. Hein. Moi, je vous dis, pour moi, Galtier n'a pas la mentalité. Et retrouver le collectif, la cohésion. Voilà, pour moi, c'est ça qui doit faire le PSG. Dès demain. Voilà, pour moi, c'est ça. Et Galtier, fais-nous des changements logiques qui t'apportent quelque chose dans le jeu. De nous faire entrer, je sais pas qui, et critiquer. Hein. Voilà. Tu nous fais rentrer ce gars, ce jeune de merde. C'est pas un jeune qui mouille le maillot. Ah, il rigole tout le temps. Comme Solaire. Casse-toi, crème solaire. Ah, casse-toi, tu commences à me casser les couilles, toi, Solaire. Casse-toi, Renato. Tu commences à me casser les couilles, toi aussi. Verratti, Neymar. Ouais, Neymar, c'est bien. Ta cheville, elle s'est bien opérée. Mais ça y est, on a plus besoin de toi, ça y est. Hein. Les décisions fin juin vont arriver. L'été, ça va, d'ici mercato d'été, bah, va falloir qu'on fasse un bon mercato, un grand mercato. Là, on n'a plus d'excuses. Hein. Là, on doit recruter une belle équipe. Même en hiver, on ne doit pas s'échouer. Moi, je vous dis. Hein. Pour moi, Ziyech, reprenez-le. Mais là, on ne va pas parler. Là, c'est l'avant-match. Pour moi, je vais revenir sur Galtier. Galtier fait des changements logiques, fait un beau jeu, fait une belle composition, fait plein de choses importantes. Il ne faut pas banaliser, mais toi, déjà, c'est à toi, la direction, de motiver l'équipe, de leur parler au vestiaire, de leur dire, les gars, c'est pas une question qu'on soit éliminé des deux titres, que voilà, on doit dormir. Non, on doit travailler, on est des champions. Avant, je m'en souviens, le PSG, quand il se faisait éliminer. Il se faisait éliminer, paf, le week-end dernier, fuite, il se vengeait, il mettait un gros score. Mais là, va faire la même chose qu'avant. Donc voilà. Pour moi, maintenant, on va parler côté absence. Côté absence, pas de Marquinhos, pas de Mukele, pas de Neymar, pas d'Hakimi, pas d'Mbappé. Ça va être dur. Les absents, c'est trop, les amis. Les absences, c'est chargé. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Les absences. Que ça va être dur, les amis. Hein. Les absences, oh là 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 là, c'est catastrophique. On a tout le temps des blessés. Moi, ça commence à me casser les couilles, les amis. Tout le temps des blessés. Faire jouer Marquinhos. Mais bon, là, je pense que c'est Marquinhos qui a dit, ouais, faites-moi jouer tout pour match mercredi et tout. Donc, pour moi, je pense que c'est Marquinhos qui a dit. Voilà, pour moi, c'est abusé. Ça nous prend pour des cons. Ça nous fait ça nous fait ci. Voilà, pour moi, on a 5 absents. Ça casse les couilles. Notre staff, le staff, il est pas rapide à soigner. Moi, je vous dis, ça se voit que les absences par des mois, comme Renato là, il est de retour. Non, voilà. Non, il y a qui comme absent? Bah ouais, il y a que ça comme absent. 5 absents, bah voilà. C'est trop, les amis. 5 absents demain. T'as pas de latéraux. Les deux latéraux ne sont pas. Donc on n'a pas le choix, on va mettre Pembélé. On n'a pas le choix, on n'a pas nos deux latéraux importants. Donc là, on va jouer en 4-1-2, comme je vous l'ai dit, et c'est tout. Hein. Donc on n'a plus le choix. Voilà, c'est trop, les amis. C'est trop. On est là pour. On porte la. Il y a la mauvaise œil en ce moment. Blessé. Chaque match, il y a un blessé. Samedi, Marquinhos, les côtes. Mukele, je sais pas quoi. Avant-hier. Deux sorties de joueurs. Eh, c'est trop. C'est trop. Même au Real Madrid, même à Manchester City, tu trouves jamais ça. Il n'y a que nous. Donc, voilà les amis. Bon, bah, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bon week-end. Reposez-vous bien. Allez, Paris. Oh, mon pronostic, victoire du PSG par 2-0.
Victoire du PSG par 2 buts à 0. Donc victoire PSG 2-0. Mes buteurs, bah, Mbappé et Messi, je pense. Moi, je me mise sur ça, au doublé d'Mbappé. Au doublé de Messi, je pense. Donc voilà, allez Paris, bonne soirée. On like, on commente et on met le j'aime. Et allez Paris. Bye.